Alors, on est 6 février, mardi. 18h48. Donc aujourd'hui, épisode neigeux intense. Intense, j'ai mis 2 heures à rentrer chez moi. Sachant que je suis quand même à 10 km du boulot, donc pas loin. Il y a beaucoup de neige, là il fait nuit, je sais pas si vous allez voir. Constater, ma voiture n'est pas là. En fait, je vous explique, pour aller chez moi, enfin pour aller au boulot, et pour revenir, j'ai une côte qui descend comme ça, puis de l'autre côté, une côte qui comme ça, mais très longue, avec des virages et tout. Et en rentrant, donc là, le chemin, enfin la départementale, ça a été, pour descendre, ça a été, pour remonter, la misère. Donc je suis restée bloquée. Quand j'ai mis 2 heures pour rentrer, j'ai dû rester bloqué 1h30, je crois. 1h15, je sais plus. Dans cette fameuse côte. Donc au début, il y avait plein de voitures. Ça montait tout doucement, puis ça s'est mis à glisser. Donc dès qu'on démarrait, la voiture faisait. Comme ça, c'était la galère. Franchement, la galère. Bref, au bout d'un an. Donc je démarrais en seconde, la voiture elle partait, elle montait un peu et tout. Au bout d'un moment, je suis partie comme ça sur le côté dans le trottoir. Et du coup, heureusement, il y a un monsieur qui est venu m'aider. Donc voilà, avec un autre monsieur et puis d'autres gens qui sont rajoutés. Ils ont poussé ma voiture. On a réussi à la faire monter un peu. Puis après, elle s'est complètement mise sur le côté. Et après, j'étais en panique en fait. Et le monsieur me dit, est-ce que vous voulez que je prenne le volant? Donc je dis oui, donc il prend le volant, moi j'ai aidé à pousser et tout, puis complètement bloqué la bagnole. Du coup, donc ça a duré super longtemps, je suis crevée, j'ai froid, je suis sur les nerfs un peu, enfin, et du coup, mais je suis soulagée d'être rentrée. Et du coup, à bout d'un moment, on a pris la décision, donc moi j'ai appelé David et tout, et j'ai pris la décision, donc j'étais toujours dans la côte, hein, j'étais toujours réussi à arriver en haut. Il y avait une maison, avec un petit... Okay, son parking, puis une espèce de petit trottoir, mais tout fin, heureusement. Et du coup, avec le monsieur, je lui ai dit, écoutez, je vais garer ma voiture, je vais rentrer à pied, quoi. Donc j'appelle David, je lui ai dit, écoute, je garde ma voiture, je rentre à pied. Du coup, David, lui, il est venu me chercher en voiture avec Alexis. Il s'est rapproché le plus près possible de la côte pour pas que j'ai 2 km à marcher à pied sous la neige et tout. Et en plus, il y a 10 cm de neige. Hein. Et du coup, on a réussi tant bien que mal à garer ma voiture, elle gêne pas trop. Elle est sur le trottoir, elle gêne pas les sorties de parking. Par contre, ouais, tout au bord de la route, quoi. Donc, si quelqu'un dérape, et bon, là, j'en pouvais plus, c'était impossible, quoi. Impossible, David l'a essayé, impossible. Donc, ils sont venus me chercher, et donc, oui, certes, c'est beau, certes, ok, c'est magnifique quand on sort pas de chez soi. Heureusement, je travaille, donc là, on est mardi, ouais. Demain, on est mercredi, je travaille pas. Donc, je suis bien contente parce que franchement, déjà, il faut que j'aille récupérer ma voiture parce que je sais pas comment je peux aller au boulot. Elle est bonne celle-là. Et voilà. Donc, voilà. Je suis pas bien parce que j'ai eu peur. Ça a duré super longtemps. Enfin, bon, bref. Donc, je voulais vous raconter tout ça. Donc, voilà, c'est fait. C'est raconté. À plus tard. J'en avais parlé aussi un peu sur Instagram. Donc, voilà. Je reprendrai quand je serai un peu moins excitée. Donc là, Alexis, il est tout content, il est en train de jouer dehors. C'est vrai que j'ai regardé les infos, c'est assez catastrophique, je trouve, parce que les gens sont restés bloqués sur les nationales, enfin sur les autoroutes et tout. Ils sont restés toute la nuit là, sans point de ralliement, rien. Enfin, c'est une horreur, quoi. Franchement, les pauvres, pas de... Il y en a qui n'avaient plus d'essence... Ils ont dû se réfugier dans les voitures les uns des autres. Enfin, franchement, c'est vraiment triste, je trouve.
Enfin, parce que c'est pas comme si on le savait pas, quoi. Il y avait une alerte orange. Mais bon. Les entreprises, elles sont bien gentilles. On a le droit de partir à 16h, mais 16h, c'est trop tard. Tout le monde peut pas faire du télétravail. Tout le monde peut pas partir plus tôt. Enfin. Moi, je comprends pas. Des fois, je comprends pas. Comment on peut laisser ça arriver, quoi. Il y a deux fois de la neige dans l'année et des fois, c'est la merde. On n'est pas habitué, certes, mais bon. Quand on le sait. Quand il y a des alertes rouges, là, des alertes oranges, bah on prévoit, enfin, je sais pas. Après, c'est peut-être facile à dire. Hein. Je sais pas comment ça se passe exactement, mais bon. Enfin, bon, bref. Donc, moi, je vais chercher du pain ce matin avec Alexis. Lui, tout content, là, il joue dehors, il est super content. Je vais prendre ma douche, je vais chercher du pain. Après, je pourrais faire quelques petites images. J'espère que c'est joli, enfin, on verra. Après, je reviens. Donc, David, lui, il est en télétravail. Donc, on ne peut pas aller chercher ma voiture. Je ne sais plus si je l'ai déjà dit ce matin. Avant midi. Parce que là, il travaille jusqu'à midi. Et c'est même pas dit qu'on va pouvoir. Parce que si c'est gelé, c'est mort, quoi. Et du coup, on va aller chercher ma copine. Enfin, collègue. Collègue, copine. Katharina. Parce qu'elle aussi, elle est bloquée. Enfin, sa voiture est dans la côte. Et d'ailleurs, il y en a plusieurs hein, qui ont laissé leur voiture. Après, je les suis après. Ouais, c'est la voiture au même endroit que moi ou plus bas et tout, donc on va aller chercher Katharina, on va l'accompagner jusqu'à sa voiture, on va rester en haut de la côte, on va y aller à pied parce que si on peut plus remonter, qu'on a au moins une voiture de secours quand même. Et voilà, on va voir. C'est vraiment ça, je me dis que moi je m'en sors bien, au final c'est chiant, mais je m'en sors bien par rapport à tout ce qu'ont vécu ces pauvres gens cette nuit là. Moi ça m'attriste, les gamins qui sont restés bloqués dans les écoles, enfin. Vaut mieux qu'ils soient bloqués dans les écoles au chaud, hein. Ils sont pas tout seuls, ils étaient avec les maîtres et tout, mais il y a des gamins, je crois, qui ont dû rester bloqués dans des bus. Bon, la galère, quoi. Enfin, bref, je vais m'occuper, je vais mettre mon linge au sèche-linge, et je vais prendre ma douche, et après, on va au pain. Alexis a joué avec la neige, admirer les temps gelés. Il fait froid, mais bon, à marcher dans la neige, c'est hyper agréable. En plus, c'est hyper agréable. Une espèce de grand silence. Je vais souffler parce que je sais pas si vous entendez, ça crisse sous mes pas. Donc voilà, Alexis, ça fait à peu près une heure qu'il est dehors, donc on va rentrer parce qu'il est trempé de partout et il a froid. On va se mettre au chaud un peu. Et voilà. C'est beau quand même. Trop beau. Alors, il est 13h. On vient de finir de manger. Et finalement, on a pu aller récupérer ma voiture. Donc, elle est de nouveau là. Bon, je ne vous montre pas, vous savez où elle est. Donc, j'ai juste pris. On a dû. Enfin, ça a été quand même assez laborieux. David avait emmené des pelles et des espèces de caillebotis en plastique là pour glisser sous les roues et tout. Parce que j'étais en fait, j'avais une de mes roues qui était sur une grosse plaque de verglas, c'était l'enfer. Donc on a eu du mal à la sortir de là où elle était. On a fini par y arriver et du coup voilà, donc je l'ai rapatrié chez moi, donc c'est déjà pas mal. J'ai continué à regarder les infos, là les gens sont toujours bloqués sur la route depuis hier soir, donc ils ont dormi là-bas, ils sont toujours bloqués, enfin, c'est l'enfer pour eux. Cet après-midi, Alexis est invité à jouer chez son copain
pour aller jouer dans la neige. Donc en fait, je vais l'accompagner, je vais boire un café avec sa maman, avec la maman du copain, qui m'a proposé de venir. Donc voilà, donc ça va être sympa. Bon, ben, elle est à pied, bien évidemment, mais c'est pas loin. Je commence à avoir... je commence à... Bah, pour demain, je sais pas trop si... Demain, jeudi, je sais pas trop si je vais pouvoir aller travailler. Je sais pas encore. Il prévoit que ça gèle, enfin... Donc j'aviserai demain. C'est un peu pénible parce que même si j'y arrive, j'ai peur de pouvoir revenir, enfin... Donc voilà, pour les nouvelles. Je sais, c'est mon truc du... Alors en ce moment, c'est... Voilà, c'est... on pense qu'à ça... La neige... On a tellement pas l'habitude, il y a 15 cm là, donc... C'est la galère. À plus tard.